Pas de français, recule, dites. Bon. Oui. À la main, joue là, joue là. Joue Aubert. Mais joue. Ils ont une combinaison avec les avants, peut-être, Patrick. Laquelle? Vous allez la voir. Allez, ça c'est les grands carrés pour le moment. Balle pour Abdel Benazi. On est à un mètre seulement. Balle pour les Français. Aubert, Aubert. On va marquer. Peut-être l'essai. On va marquer. L'essai, peut-être. Et c'est peut-être un tabac. On va marquer. Génie de ce match, car t'as fait un énorme match. C'est fabuleux. Oui. J'entends. Delo qui fait une sautée, qui donne à Sadourny, qui donne à Émile, qui rentre dans la défense et qui marque. Superbe. C'est bon le rugby. Oh que c'est bon le rugby, surtout quand on gagne. Oh là là, regardez encore, Jean-Luc, superbe. C'est bien fait, c'est du bon travail. Faites de passe, on va remercier. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez votre action, celle du facteur, la fête du facteur, de ce que vous voulez, c'est magnifique, du plombier, des PTT, ce que vous voulez, elle est magnifique. Et moi Patrick, je vous offre mon sifflet, faites-en mon usage. Je m'en servirai certainement moins que vous. Patrick, une chose quand même, faisons attention au renvoi, si l'arbitre ne siffle pas, de prendre le ballon et de le mettre derrière la tribune. Il y a 4 minutes d'arrêt de jeu, Eric, que nous jouons déjà quand même. Oui, mais j'ai très peur avec l'Australien. 5 maintenant. Voilà. Thierry Lacroix. Alors, 20 à 15 pour la France, peut-être 22 à 15. 20-19, pardon, 15, oui. Et Aliyev. Aliyev, 22 à 15. Et c'est fini. C'est terminé. Voilà, victoire de la France face à l'Écosse. 22 à 19. N'oubliez pas le télé-rugby de 11h demain.